have seen the faithfulness of our Lord. Nous avons vu la fidélité de notre Seigneur. Since the month of January, depuis le mois de janvier, février, mars, April, and this is the last Sunday of the month of May. Can et somebody shout a shout of hallelujah to the Lord? Amen. Brethren, you are all welcome this last Sunday of the month of May. Frères, vous êtes tous les bienvenus en ce dernier dimanche du mois de mai. A special day in our congregation. Et aujourd'hui est un jour spécial dans notre assemblée. It's our day of thanksgiving. C'est notre journée d'action de grâce. We cannot take it for granted. Nous ne pouvons pas le prendre pour acquis. To acknowledge what the Lord has done in our family. De reconnaître tout ce que le Seigneur a fait dans nos familles. To acknowledge what the Lord has done in our life. De reconnaître tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. And what the Lord has done in our congregation. Et ce que le Seigneur a fait dans nos congrégations. Can somebody shout Amen. Amen. I want to welcome you with this welcome church this Sunday morning. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue avec cette parole ce matin. The Gospel of Jesus according to Apostle John. L'évangile de Jésus selon l'apôtre Jean. Chapter 15. Chapitre 15. Verse 1 to 5. Verset 1 à 5. And it is written. Il est écrit. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that bear not fruit, he take away. And every branch that bear fruit, he purge it, that it may bring forth more fruit. Can somebody say, I will bring forth more fruit? Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Hallelujah. Amen. The Lord Jesus is saying, without him, we cannot make it. Le Seigneur Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver dans la vie. Without Jesus Christ, you cannot make it in life. Sans Jésus Christ, vous ne pouvez pas y arriver dans la vie. Your effort should be vain. Vos efforts seront vains. I want to take an illustration about customer service or technical service. Je voudrais faire une illustration au sujet du service consommateur et du service technique. Amen. About some years ago, I bought a camcorder for the church. Il y a des années de cela, j'ai acheté une caméra. Amen. Amen. And we use it without 1 year, the camcorder was broken. Et après un an d'utilisation, la caméra a été cassée. I mean, it was not more working. En fait, ça ne marchait plus tout simplement. The screen was not more showing. L'écran ne se voyait plus. And then I went back to the store. Alors je suis rentré dans la boutique. I saw a seller representative. Et j'ai vu un vendeur. And explained everything to him. Et je lui ai expliqué la situation. And he asked me and advised me to see the customer service. Et il m'a conseillé de me rendre au service consommateur. I saw the customer service. J'ai vu le service consommateur. And the customer service asked me to call the technical service. Et le service consommateur m'a demandé d'appeler le service technique. I then called the technical service. Et j'ai appelé le service technique. To cut it short. Et pour couper court. They replace
the camcorder and send me a brand new one. Ils ont tout simplement remplacé la caméra de l'obagé, ils m'ont envoyé une caméra toute neuve. Amen. Brethren, in our life, frère, dans nos vies, our customer service, notre service consommateur, is in heaven. Et dans le ciel. Can somebody say amen? Et quelqu'un nous amène à cela. In our life, our customer service is in heaven. Nous, notre service consommateur est au ciel. Do you have an issue with your marriage? Est-ce que tu as un problème dans ton mariage? Go back to the customer, heavenly customer service. Retourne-toi vers le service consommateur céleste. And the general manager, et le directeur général, who is Jesus Christ, qui est Jésus Christ, the owner of everything, le propriétaire de toutes choses, the one who made everything, celui-là qui a fait toutes choses, the see and the unseen, celui qui a fait le monde réel et le monde give instruction, il donnera des to the heavenly technicians, aux techniciens célestes, who are the angels, qui sont les anges, and they will fix your marriage. Et ils vont arranger ton mariage. Do you have an issue with your academy? Est-ce que tu as des problèmes avec ton go back to the customer, heavenly customer service. Alors retourne-toi vers le service consommateur. Amen. Amen. And complain to them. Et va te plaindre. Present your issue to them. Présente ton problème. The general manager will give instruction. Le directeur général va donner des instructions. And the angel will fix everything that it needs to be fixed. Et les anges vont arranger tout ce qui a besoin d'être arrangé. Do you have a problem with your health? Tu as un problème avec ta santé. Go back to the heavenly customer service. Alors retourne-toi vers le service consommateur céleste. He said, il dit, without him, sans lui, you cannot make it. Tu ne peux pas y arriver. Without him, sans lui, you cannot fix it. Tu ne peux pas le réparer. Without him, sans lui, there is nothing good in you. Il n'y a rien de bon en toi. Do you have a problem? Est-ce que tu as un problème with your finances? Avec tes finances. Go back to the owner. Retourne vers who made everything. Qui a fait toutes choses. And present the issue to him. Et présente-lui cette situation. And he will give instruction. Et il donnera des instructions. To the technicians. Les techniciens. Who are the angels. Qui sont les anges. The Bible says. La Bible déclare. The angel of God. Les anges de Dieu. Are the minister of God. Sont les ministres de Dieu. Working on our behalf. Ils sont en charge de travailler. The angel of God are there for you. Les anges de Dieu sont là pour toi. Put them to work. En instead of complaining, au lieu de te plaindre, instead of crying, au lieu de pleurer, instead of shouting and murmuring, au lieu de crier et de murmurer, when you have an issue, quand tu as un problème, you cannot fix it. Tu ne peux pas le I cannot fix it. Je ne peux pas le but I know someone who can fix it. Mais je sais quelqu'un qui peut le faire. Jesus can fix it. Jésus peut le réparer pour toi. Can somebody say amen? Amen. He said it clearly. Il a dit clairement. Without me. Sans moi, you cannot make it. Vous ne pouvez pas le without garder. Me, sans moi, you cannot make it. Vous ne pouvez pas y parvenir. Hallelujah. Amen. 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 Without Jesus, nothing good can be seen. Sans Jésus-Christ, rien de bon ne peut whatsoever you are doing. Dans quel que soit ce que tu fais. Amen. Amen. That's why Paul can say, I can do everything through Christ who strengthens me. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par celui-là qui me fortifie. You can do it. Tu peux y arriver. Not because of your knowledge. Pas à cause de ta not because you are smart. Pas parce que tu es sage. Because you are wise. Non, pas parce que because tu you have more understanding. Pas parce que tu as plus de compréhension. Mais à cause de can lui. Somebody say amen? Amen. Amen. He said, il dit, in the book of Luke 9:23, that has been the base of our scripture since the beginning of this month. Dans le livre de Luc 9:23 qui a été notre étude de base depuis le début de he ce mois. Deny yourself. Renonce à toi-même. Take up your cross daily. Charge-toi de ta croix tous les jours. And follow me. Et suis-moi. Hallelujah. Amen. When you follow him. Quand tu le suis. When you deny yourself. Quand tu renonces à toi-même. And you follow him. Abide in him. Tu demeures en lui. And he, you allow him to abide in you. Et en retour, tu lui permets aussi de demeurer. Whatsoever you ask him to do, quel que soit ce que tu lui demandes de faire, he will do it for you. Il le fera pour toi. The first thing to do, la première chose à faire, is to deny yourself. C'est de renoncer à toi-même. Amen. The second thing to do, la seconde chose à faire, is to take up your cross. C'est de te charger de ta croix. I don't know who is abusing you. Je ne sais pas qui abuse de toi. Deny yourself. Mais renonce à toi-même. I don't know who has rejected you. Je ne sais pas qui t'a rejeté. But deny yourself. Mais renonce à toi-même. I mean, you don't need to fight back. En fait, tu n'as pas besoin de
de lutter en retour. Amen. Amen. I know somebody who can fight for you. Je connais quelqu'un qui peut lutter pour toi. Our Heavenly Father. Notre Père Céleste. Deny yourself. Renonce à toi-même. Take up your cross. Charge-toi de ta croix. Take up your shame. Charge-toi de ta honte. Take up your rejection. Charge-toi de cette rejection. Take up the humiliation. Charge-toi de cette humiliation. Take up the false accusation against you. Take it off. Charge-toi même de cette fausse accusation sur toi. Prends-le sur toi. People will not always like you. Les gens ne t'aimeront pas toujours. Because of Jesus Christ. À cause de Jésus. They will reject you. Ils te rejetteront. They will humiliate you. Ils vont t'humilier. They will lie against you. Ils vont mentir contre toi. They will set up trap against you. Ils mettront des pièges contre toi. He said, deny yourself. Mais il dit, renonce à toi. He said, don't fight back. Il dit, ne combat pas. I will fight for you. Je combattrai pour toi. As from today. À partir d'aujourd'hui. Our Heavenly Father will fight your battle in the name of Jesus. Amen. It seems like you have not heard what I say. I said the Heavenly Father will fight your battle in the name of Jesus. Amen. That's all these are distractions. Alors tout ce qui est autour c'est la distraction. Either your finances, que ce soit tes finances, your academy, tes académies, your job, ton travail, your health. Santé, everything, your mind, everything around you, the devil is trying to, it's a tool that the devil is trying to use to distract you. C'est des choses que le diable utilise pour te distraire. The Lord Jesus will take care of that. Le Seigneur Jésus prendra soin de cela. He is faithful. Il est fidèle. He is not a man to lie. Il n'est pas un homme pour mentir. He is not a no son of man to change his mind. Il n'est pas non plus le fils d'un homme pour se repentir. What he has said concerning you, quelque chose qu'il a dit te concernant, he will fulfill it. Il va le parfaire. Abide in him. Demeure en lui. And he will abide in you. Il demeurera en toi. And will cause everything to pass according to what he has written concerning you in Jesus Christ. Il fera en sorte que tout ce qu'il a dit de concernant s'accomplisse au nom de Jésus. Can somebody say amen? Our Lord is good. Notre Seigneur est bon. All the time. Tout le temps. Shalom. Shalom.